Bonjour, aujourd'hui je vous présente ce petit lapin. Il mesure 28 cm de ses oreilles aux pieds, réalisé avec un crochet numéro 3. Ce lapin est destiné à un bébé, donc je n'ai pas voulu faire d'éléments pour le visage. Les bras. Rang numéro 1, 6 mailles serrées dans un cercle magique. Rang numéro 2, une augmentation. 2 mailles serrées, une augmentation. Et 2 mailles serrées. Le rang numéro 3 jusqu'à le rang numéro 13, faites 8 mailles serrées. Terminez avec une maille coulée et une maille en l'air pour fermer. Les oreilles. Rang numéro 1, 6 mailles serrées dans un cercle magique. Rang numéro 2, répétez une augmentation, une maille serrée jusqu'à la fin. Rang numéro 3, faites 9 mailles serrées. Rang numéro 4, répétez une augmentation, 2 mailles serrées. Rang numéro 5, faites 12 mailles serrées. Rang numéro 6, répétez une augmentation et 3 mailles serrées. Rang numéro 7, faites 15 mailles serrées. Rang numéro 8, répétez une augmentation et 4 mailles serrées. Rang numéro 9 jusqu'à 14, faites 18 mailles serrées. Rang numéro 15, répétez une diminution et 4 mailles serrées. Le rang numéro 16, répétez une diminution et 3 mailles serrées. Terminez avec une maille coulée et une maille en l'air pour fermer. La queue. Rang numéro 1, 6 mailles serrées dans un cercle magique. Rang numéro 2, répétez une augmentation, une maille serrée. Rang numéro 3, répétez une diminution et une maille serrée. Terminez avec une maille coulée et une maille en l'air pour fermer. La tête. Rang numéro 1, 6 mailles serrées dans un cercle magique. Rang numéro 2, une augmentation, une maille serrée, deux augmentations, une maille serrée et terminez avec une augmentation. Rang numéro 3, une augmentation, 4 mailles serrées, une augmentation et finir avec 4 mailles serrées. Rang numéro 4, répétez une augmentation, une maille serrée. Rang numéro 5, répétez une augmentation et 2 mailles serrées. Rang numéro 6, répétez une augmentation et 3 mailles serrées. Rang numéro 7, répétez une augmentation et 4 mailles serrées. Rang numéro 8, répétez une augmentation et 5 mailles serrées. Rang numéro 9, répétez 20 mailles serrées, une augmentation. Rang numéro 10, répétez 21 mailles serrées, une augmentation. Rang numéro 11, répétez 22 mailles serrées, une augmentation. Rang numéro 12 à numéro 14, faites 48 mailles serrées. Rang numéro 15, répétez 22 mailles serrées, une diminution. Rang numéro 16, répétez 21 mailles serrées, une diminution. Rang numéro 17, répétez 20 mailles serrées, une diminution.
Rang numéro 18, répétez 19 mailles serrées, une diminution. Rang numéro 19, répétez 18 mailles serrées, une diminution. Rang numéro 20, répétez 17 mailles serrées, une diminution. Rang 21, répétez 4 mailles serrées, une diminution. Rang numéro 22, répétez 3 mailles serrées, une diminution. Rang numéro 23, répétez 2 mailles serrées, une diminution. Le corps. Rang numéro 1, 18 mailles serrées. Rang numéro 2, répétez 1 augmentation et 8 mailles serrées. Rang numéro 3, répétez 1 maille serrée, 1 augmentation et 8 mailles serrées. Rang numéro 4, répétez 2 mailles serrées, 1 augmentation et 8 mailles serrées. Rang numéro 5, répétez 3 mailles serrées, 1 augmentation et 8 mailles serrées. Les pieds. Après avoir fini le corps de 36 mailles serrées, faites 18 mailles serrées. Partagez en deux pour faire les pieds. 18 plus 18. Récupérez la première maille des 18 mailles serrées. Rang numéro 2, faites de nouveau 18 mailles serrées sur le rang précédent. Rang numéro 3, répétez une diminution et 7 mailles serrées. Rang numéro 4, faites 16 mailles serrées. Rang numéro 5, répétez une diminution et 6 mailles serrées. Rang numéro 6, faites 14 mailles serrées. Numéro 7, répétez une diminution et 5 mailles serrées. Numéro 8, faites 12 mailles serrées. Rang numéro 9, faites une diminution et 4 mailles serrées. Rang numéro 10, faites 5 diminutions. À partir de là, rembourrez la tête, le corps et la première jambe. N'oubliez pas d'insérer vos yeux de sécurité. Refaites de nouveau la deuxième jambe. L'assemblage. Coudre les bras, la queue et les oreilles. Réalisez le visage du lapin. Ici, j'ai uniquement brodé le cœur en guise de nez, car ce lapin est destiné à un bébé.
Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous. N'hésitez pas à me mentionner sur les réseaux sociaux. Tuto crochet en français.